Canadiens, c'est un acteur dans la chaîne pénale. Là. Ils sont autorité dans la chaîne pénale. Là. Ils sont commissaire gouvernement, j'ai oublié commissaire Muscadet. Oui, ils sont commissaire gouvernement dans la juridiction de la Mirabouane. Alors, un commissaire gouvernement, ce n'est pas n'importe qui. Il y a pile autorité dans la chaîne pénale, là. Il y a pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuit. Ça, ça veut dire il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale. Là. Donc, nous n'avons pas qu'à parler des absences de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons. Jodi a en Haïti, ou gagne 18 juridictions justice. Et ou gagne 10 départements. Et l'orga des problèmes pour gagne journée jodi a, ça nous est les gangsterisations pays. Eh bien, et banalisation la vie monde, bon, banalisation la vie monde dans tout pays. A, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gagne occupée par plus passer 90% Et après ça, on partit dans la Tibonie. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP là, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand-est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans, et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement, et tant qu'on miscade, s'il voulait et appliquer la loi, et si vous voulez combattre gang, la porter, la prendre la loi comme vous savez, la porter en task force comme chef ou suite, dans la juridiction, laissez à la gang. Et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le petit commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandi au jour de jodi a pour nous même place c'est prison ou cimetière. Vous faites trop, c'est des terroristes qui yo. Nous pas d'accord pour que moun ka négocier avec yo. Et vous faites trop et de l'eau pour les lanzier nous. Nous même journalistes qui victimes. Population, la police, vous font pas que zak dans société a, mais nous pas d'accord avec aucun acteur dans chaîne pénale là. Qui décide, monsieur, un commissaire gouvernement, ou un monde pour neutraliser, ou poser une question, ou torturer, et pour dire que vous avez un dernier mot pour dire et en vont mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais venir avec un exemple. Le fond des nègres, il est sous juridiction Muscadet. Famille, Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est le baron qui sous Fondenay. Tilapli grand pile était dans Fondenay le baron. Li gagne et nous t'es capteur venu. Li gagne en pile business dans marché Fondenay là. Et bien dans marché Fondenay là, businessman yo dans Fondenay. Yo bay Muscadé comme et régulièrement pour faire travail. Nous allons voler avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapio, yo bay Muscadé comme régulièrement. Ça veut dire que Muscadé n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça n'est pas engagé et aucune poursuite contre et Tilapio. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'elle fait Tilapli fait cahier pour maman et Fondenay dans baron dans la section rurale là, mais quand même, elle connaît tout le business qui est bien en bas, elle connaît dès qu'elle vient, elle connaît le terre, il n'y a pas jamais fait rien. Donc, mais Muscadé, c'est tout pour le peuple. Bonne chance. Bonne chance. Donc demande où tu fais pour demander l'évocation toujours maintenant. RNDDH fait une lettre
Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et le Miskaden avec le commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Miskaden, il faut me dire ça pour ne pas déranger et allié Miskaden, et il y a une discussion sur les réseaux sociaux, et pendant fond, et pour qui ça, c'est parce que Miskaden a fait un descendu lié dans un hôtel qui n'a pas sali, qui passe sous juridiction. Et Richemont dénonce ça, et commissaire Okaï, le commissaire gouvernement Okaï, et Richemont dit que c'est pour Bosli qui est à travail. Alors Bosli, il a parlé de Hervé Foucan, c'est Hervé Foucan qui sont trafiquants à droite, qui mettait Miskaden sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui était là, c'est Emily Prophète, qui a envoyé deux lettres de blâme. Une pour Miskaden, commissaire Miskaden, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons lettre avec un ensemble de cas, de combien de 10, des monde qui sont victimes, là-dedans, il y a un bandit, il y a un innocent, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas. Et on les déblâme pacifique, nous demandons pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça aux société là, de tout gagner base gang, sauf ni, on a demandé de révoquer. Est-ce que vous ne pouvez pas demander de continuer à blâmer? Le mandat de révoquer là, est-ce que ça va pas faire cause? Ni gagner regain base dans en haut tout département. Alors et vous connaissez sauf département qui c'est là? Non, on pas croire que c'est celle ni qui département qui c'est. C'est lui même. Ne pose une question. Qui a répondu? On avance, on avance, on avance. Vous voyez là. Ça veut dire si c'est un Kenyan qui implique une violation de la monde, il y a passible devant le tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous dit que lors même que l'Ipoil passible devant juridiction de répression pays, eh bien que au moins victime yo capable de partir dans le procès. Depuis que, yo, à partir du moment que vous portez plainte, jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation. Argent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité, c'est même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTAH. Sauf que nous te rendons compte que au sérieux, pas de jambes arrivées jusque-là. Parce que depuis qu'un agent MINUSTAH était simplement impliqué dans la violation de la monde, l'autorité était seulement contentée. Alors, je dis, chef MINUSTAH était seulement contenté de rapatrier. Il était seulement voyé dans le pays et puis ne pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans l'être là, nous déjà dit, nous cinq organisations, yo, non seulement nous avons clérigé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tient à ce que toute victime potentielle de violation de droits humains qui capable commettre par agent ministériel que yo capable participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation droit monde, ça c'est sous question infraction nous t'a dit et pénal. Mais maintenant même accord ça tout li dit lorsque agent MAS là impliqué non et ou du moins lorsque responsabilité civile agent MAS là mettait en cause. Après, on pile monter, descendre, on pile protection, pile et nous t'a dit blocage. Les que finalement au tribunal ici t'as que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause. Le sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça qui fait nous souligner que oui nous d'accord lorsque responsabilité civile on agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça a tout, li commet yon infraction à la loi pénale, faut que mission accepte que victime yo participe dans tout processus. Tribunal première instance dans pays particulièrement. Parquet tribunal première instance, dans Port-au-Prince, dans Tigoua, dans Croix-des-Bouquets, dans Saint-Marc avec dans Gonaïves, yo mette action publique en mouvement contre bandits armés. Deuxième question, c'est question amnistie. Et cinq organisations, ça y est. Cercle de réflexion, CEJ, NEGESMAON, POHDH, AKRNDDH, dit clairement,
pas qu'à gagner amnistie pour gang, ni nous pas changer mot amnistie en d'autres termes. Pas qu'à nous pas qu'à ni dans dialogue ni dans négociation à gang. Nous estimons que Fessoa c'est sous victime pour mettre Fessoa. Nous gagnons toutes victimes ça que nous avons compté par milliers, par centaines de milliers. Je ne veux dire, ce n'est pas qu'à gang qui est plus important pour nous garder à réfléchir. Est-ce que nous avons eu amnistie? Est-ce que nous pouvons négocier avec eux? Ou bien est-ce que nous pouvons avoir un dialogue avec eux? Et dans ce sens, ça, tout, nous demandons tout pour que le gouvernement Gary Conille songe que depuis 2018, jouk jounen jodi a côté n'a parlé a puisque bandi armé pas j'aime suspendre attaque population hein. Souffrance là c'est population civile là qui subit. Jounen jodi a c'est population ça qui besoin assistance, il besoin assistance financière, il besoin assistance tout psychologique parce que jounen jodi a victime yo a mandé nous assistance psychologique. Organisation société civile là nous dépasser par situation hein. Parce que jounen jodi a ces femmes, ces garçons, ces tifi, ces petits garçons, ces petits mondes qui subissent toute violence à eux, qui ont demandé nous aider à jouer une assistance psychologique. Nos grandes populations qui détruites par rapport à toute violence, à déferlement de toute violence à souli. Et donc, je ne veux dire, pas qu'à gagner amnistie, pas qu'à gagner négociation, pas qu'à gagner dialogue avec bandit. Dialogue là, négociation, c'est avec victime pour le faire. Troisième question, c'est sous présence mission multinational d'appui à la sécurité. Donc, on est né depuis 25 juin 2024, premier agent MMASO commencé à venir en Haïti. Et nous-mêmes qui là, yo, cinq organisations tout qui écrit documents, ça, lettre ça envoyé par le premier ministre, ils étaient déjà clairs, ils étaient partagés position déjà sur MMAS. Là, on va besoin de retourner sur les cependant. Puisque je n'ai jamais dit à mission, ils commençaient à déployer sur le terrain, n'a fait songer que nous pas prêts pour nous vivre toute tribulation qui nous était passée déjà en bas mes missions, que ces missions Nations Unies ou bien missions multinationales. Je n'ai jamais dit à nous estimer que, premièrement, il faut qu'il y ait des mécanismes clairs contre prévention, violation de droits. Et mécanismes, ce n'est pas lorsque agent MMAS va être impliqué dans la violation de droits que va essayer de réfléchir pour le mettre en place. Faut et mécanisme déjà là dans l'idée pour faire prévention à violation de droits humains, particulièrement violence sexuelle. Parce que nous songez, dernière mission ministère, nous songez, il était impliqué dans marchandage sexuel, il était impliqué dans viol, viol contre petite fille, viol contre petit garçon, mettait sous des infractions qui tout aussi graves que le commettre, tant pour les violations excusez-moi que le commettre, tant pour par exemple simaillé, choléra ici en Haïti. Deuxièmement, nous demandons pour qu'il y ait des couloirs permanents d'échange entre organisations, société civile avec mission ça. Parce que faut que nous gagnions possibilité pour nous capables de dire à clé qui ça nous connaît que y a réglé pour nous capables de demander pour yo corriger cahier au fur et à mesure que y a réglé c'est réglé. Et troisièmement, comme nous connaissons un accord qui est l'accord relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui dit que lorsque responsabilité civile agent est mise en cause, mission a dédommagé victime. Mais nous-mêmes, nous allons plus loin et nous exiger que lorsque agent est impliqué dans la violation de droits humains ou bien dans la violence sexuelle, pour que plainte fait suivi et que justement yo aboutit à des jugements avec participation partie civile, c'est-à-dire que faut victime yo impliqué dans tout processus là jusqu'à arriver à réparation de victime yo, contrairement à ça que nous t'ai par exemple qui t'a fait ici en Haïti dans le moment que mission ministère t'est ici en Haïti. Ça c'est trois dans points que nous partager dans les temps, comme nous dit nos cinq organisations ça yo partager cinq points et qu'on y a là m'a passé la parole à l'ami qui peut continuer pour nous. Nous cinq organisations, nous saluons la presse. Alors, vous y se présentez trois points déjà. Alors, quatrième point, ensemble organisation, ça a décidé d'attirer l'attention du Premier ministre et gouvernement sous lui, et comme priorité de lui adresser. Quatrième point, c'est question corruption et crimes financiers. Donc, côté, nous croyons que crimes financiers et actes de corruption qui fait pendant le pays, il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient au niveau du gouvernement qu'il y a réprimé crimes financiers et corruption qui fait à Dabia. D'abord, nous souligner pour le gouvernement,
mobilisation qui était gagnée dans le pays dans l'année 2018 et mobilisation et contre Petro-Caribéa qui était enclenché dans le pays. Côté clairement, nous avons dénoncé un ensemble de pratiques de corruption dans le pays et mobilisation, ça a été mis diverses pratiques en évidence et qui montrait clairement les différents gouvernements qui participaient dans gagoter, dans gaspiller l'argent Petro-Caribéen et qui dénonçait toute pratique enrichissement illicite, toutes actes de contrebande et toute pratique de népotisme que le gouvernement pendant 10-15 dernières années ont pratiqué dans le pays. Question corruption, il doit en priorité, bataille contre corruption, il doit en priorité pour le nouveau gouvernement. Et il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient dans ce sens. Donc par rapport à la question ça, nous, ensemble organisation, qui c'est POHDH, RNDDH, CEJ Lab, Neges Mahon et Centre Réflexion, nous recommandons à nouveau gouvernement pour qu'il y ait disposition pour tout membre dans le gouvernement capable de faire déclaration patrimoniale. Jean, la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Donc, quoi est son élément fondamental et son signal clair, il y a voyé qui montrait que vous voulez rompre, divorcer à pratique corruption. Et nous avons souligné, corruption, ils sont un véritable cancer, un véritable gangrène pour le progrès droit monde en d'un pays. Et c'est une entrave à réalisation pour les élections en d'un pays. Parce que l'on connaît toute qualité l'argent, l'argent drogue, l'argent sale qui a brassé en d'un pays. Et que vous utilisez l'argent ça pour capable et financer ou de faire élection. Et ça, généralement, c'est ça qui favorise que gagne de monde à partir de l'agence sale qui vivait renouveler tête yo. Donc, dans ce sens, ça, nous pensons un élément important et faut que le gouvernement ça lui voie des signaux clairs par rapport à la question ça. Et nous avons rappelé tout scandale de corruption qui était éclaté dans le pays entre 2021 à 2024, côté gagne un ensemble de ministères et organismes publics autonomes qui est important et nous, ensemble organisation SAIO, nous recommander à gouvernement et premier ministre en particulier pour prendre des mesures pour être capable d'assainir les finances publiques là. Et dans ce sens, pour ordonner audit financier fait au niveau par exemple palais national, primature, ministère travaux publics et communication, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de la Planification et de la Coopération externe, et également Office national d'assurance vieillesse, Office autorité, l'autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, c'est un ensemble de structures, un ensemble d'institutions que nous recommandons. Il y a des audits qui sont faits par rapport à eux. Et nous croyons. C'est comme ça, et comme ça seulement, le gouvernement est capable de montrer clairement qu'il est engagé pour combattre la corruption en d'un pays. Et nous voulons souligner par rapport à la question ça, nous ne sommes pas capables d'engager le pays à souchimer l'élection si pas gagner bonne disposition qui prend pour combattre la corruption en d'un pays. Et même gens si pas gagner bonne disposition qui prend pour établir la paix, la sécurité en d'un pays. Et dans ce sens, nous voulons souligner que le pays a pas voulu élection pour élection. Le pays a voulu élection pour nous sortir de l'instabilité. Et pour nous faire élection, pour nous sortir de l'instabilité, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour rétablir le climat, la paix, pour rétablir la sécurité. Et il faut qu'il y ait des signaux qui permettent aux citoyens de faire confiance dans l'institution de la paix.